toujours la fête jusqu'à fatiguer. On dirait que la fête, elle est carrément chez nous. Apparemment, ils dansent là-bas. Bref, moi, je vous montre mon outfit. Peut-être qu'il faut que je mette mes crocs parce que j'ai ce sac-là. Bon, on va voir ce qui se passe. Mettre quelque chose sur les bras. D'accord. Ouais, mais j'arrive. Je vais pas loin. Il y a un concert ou quoi là? T'as dit quoi là? Moi je suis choquée, il y a l'inégalité. Laisse-moi t'expliquer, je suis arrivée, j'avais des lunettes. Déjà elle a rigolé. Oh la secrétaire. Il y a un truc qui s'est passé. Il y a un mojo. Ouais voilà, c'est ça en fait. Ah ouais. Il y a un truc qui se passe. Elle a rigolé? Voilà. Elle a rigolé, je suis toujours rigolée. Non mais il y a de quoi rire. Et moi, genre, en plus j'ai une mini bretelle. Elle ouais, a même pas de bretelle. Ça passe pas, ça elle aime pas ça. Moi je comprends pas. Je comprends pas en fait. Tu me prends pas. Voilà. Je vais prendre le son look. Regardez comment elle marche. Calme-toi. C'est relou. On y va. Toujours en train de parler aux amis. Bon, on va prendre deux cocktails de fruits, s'il vous plaît. Deux cocktails. Ouais. Frère. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait alors? Je fais des petites dingueries. Ouais. Voilà, avec une aide de secrétaire. Un petit fissage. À ce qui paraît. Hein. Que... Trop une aide de secrétaire. Mm. Même sa grand-mère a rigolé quand elle avait fait. Y'a pas à rire. Y'a pas. Louisa. Bon, on est sur des gros embouteillages. Le trafic il est perturbé. Je vais foncer. S'il faut arriver à la cogner. Qu'est-ce que tu dis? S'il faut la bêtise, je vais la cogner. Bon bah là on vient de sortir de la cave avant qui était juste là, vignoble bordelais. Et là les go, il pleut. Heureusement que j'ai mes crocs. Et on y va. Honnêtement je sais pas où on va mais vas-y on s'est tapé une bouteille. Moi et ML de vin blanc. On va pas aller très loin. Je vous le dis. C'est tout mouillé là quand même. Hein. Ouais. Non, je peux grignoter. Je peux pas, je dois. C'est différent. Okay.
Donc, on était au vignoble bordelais. T'as abandonné ton ami là? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on va quand même le laisser. Ah d'accord. On va le laisser, il va rentrer. Très bien. On poursuit notre route. Je me trouve. Quelque chose en fait. Pourquoi? C'est quoi le rapport? C'est-à-dire que mon ventre c'est tendu, je peux ni boire ni manger. Pourquoi tu te vénères pour ça franchement? On me demande c'est quoi le rapport. Là vous êtes là en train de manger, boire. Attends, on dirait mon ventre. Moi je suis pas conçu comme ça. Mais c'est toi aussi, pourquoi tu commandes encore du Yuki? Quoi? Alors que tu sais que t'es à bout. Ouais. Elle est rassasiée hein. Faut lui parler. Elle a juste mangé des brochettes, elle dit qu'elle est rassasiée. Moi je suis venue là pour grossir. Non mais j'ai bu une bouteille. À partir du moment où je bois une bouteille, et mon ventre, même s'il a faim, il a pas de place. Ouais, je comprends ça, c'est compréhensible. Ouais, c'est compréhensible. Là avec tes spaghettis, moi je suis prête à dormir. Hein. Ouais, je te dis la vérité. Là on est J4 il me semble. Et aujourd'hui on va aller au village. Et voilà, je vous en dis plus tout à l'heure. Petit look du jour. Donc là, on va y aller, je vais chercher les bourdes et tout. Et on y va. Comment faire pour fermer ici? Ouais. Donc demain, on accueille la 6, la moto de MLK, la 6 Caps. La 6 Caps! Donc Sandra, on t'attend, on est là. Bon, parfois, la chaleur, parce qu'on est déjà en train de faire. Bébé t'attend à la maison. Avec des châles sur les épaules. Louisa. Elle allait aller au village. Elle pensait elle allait aller dans quel village? Je sais pas. Pourquoi tu te sous-estimes comme ça? Donc là, je suis à la source de mon blaze Monaco. T'as dit quoi? Et c'est pour ça qu'on m'appelle Monaco jusqu'à maintenant. Là. Voilà, voilà. Le frère de mon grand-père. Je me nomme ainsi. Vous savez que vous m'appelez Monaco, mais maintenant tout le monde m'appelle Monaco. C'est ça? C'est vous qui avez commencé. Ah ouais, ouais, c'est. Maintenant c'est devenu mon surnom, tout le monde m'appelle Monaco. Monaco, ça te fait plaisir ou... C'est moi, c'est moi. C'est ça? C'est ton papy qui est dans le sud. Oui, il est comme ça. C'est ton papy. C'est vrai. Ademe, du coup? Ademe, c'est ça. C'est ça. Ah oui. Ademe, c'est ça. D'accord. Et... Il y a deux variétés. Hein. D'accord. Ça, c'est l'ancien. C'est plus doux. Ok. Ah oui. Ouais. Et ça, c'est Boma. Ça. Ça, c'est Boma. Boma. C'est ça. Oui. Ouais.
La nature est bien faite. Ouais, ouais. Ça, c'est le, comment l'appelle-t-on, les graines qui sont là. Les graines de Boma. Les graines de Boma. Ah, ok. Je ne savais même pas que ça faisait des petites fruits comme ça. Ah oui, d'accord. Taro. Taro ? C'est ça. Ah, taro, c'est ça. Oui, taro, c'est ça. Ah ouais, c'est gros, hein ? On mange ça, hein ? Ça, là. Et ça se mange ça ? Oui, ça se mange ça comme épinard. Ah ouais. Mmh. C'est marrant comment ça pousse enroulé comme ça. Et après ça s'ouvre quoi. Après ça s'ouvre comme ça. Quand ça s'ouvre, c'est une plus. Cosmétique. Okay. Ah ouais. Ça c'est du gombo. Citronnier. Ah. C'est stylé ça. Citronnier. Mmh. Et avocat. Avocat. Et ouais, là aussi. Ah, on peut cueillir là. Ah oui. Donc quand on coupe la papaye. Quand on coupe la papaye, ouais. Après ça peut repousser. Ça après. Peut repousser. Okay. Oui. Mais c'est plus facile pour récupérer. Pour récupérer là. Là. Okay. Là c'est on peut cueillir. Elles sont grosses, hein? Là celle-là elle est la super petite, grosse. Oui. Non, oui, elle n'est pas mûre encore. Mmh. Voilà. C'est vrai qu'elle est super haute, celle-ci. Ouais, okay. Elle est haute. Elle est super haute. Hein? T'as dit jamais. Elle, franchement, je ne comprends pas. Les années passent, mais rien ne se passe. Voilà. Tout reste figé. Citronnière, ça y est, elle est petite citron. Oh, c'est trop bien. Entre. Pour la sauce graine, oui, c'est le... C'est avec ça qu'on fait l'huile de palme aussi. Ah ouais, c'est les graines qu'il faut enlever et piler. D'accord. Pour faire l'huile de palme. C'est ça, Tata, elle faisait ça la dernière fois, mais on ne l'a pas bien vu faire. Il faudra que. Quoi, elle refait ça. On fait beaucoup, beaucoup de choses avec ce truc-là. Les graines. Pour la sauce, pour l'huile. Et les déchets que tu récoltes, ça sert à faire le feu. Et ça fait que les mets. Et du savon. Bon, maman est un peu malade. Hein. Ouais, je sens. Vous avez compris. T'as cueilli ça. Franchement, j'ai rien fait. Elle est dans ma main. Pourquoi tu veux justifier? Non, putain. Sinon, elle serait tombée par terre. Comment ça, j'avais ça? Tu fais des frayeurs. Non, mais je te jure. Et ça va, notre temps, il commence à être oui, un peu. Je t'en ai pas. Pourquoi t'es plus chocolaté que moi? Bah, toujours. Non, non, tu te calmes. Petite boucle d'oreille, mes créations, voilà. C'est tout. Petite boucle d'oreille. Made in Peru, je crois. Petit collier made in Togo. And. Little girl, made in Togo too, and Ivory Coast. Pourquoi tu fais ma gueule? T'as horreur, là, on la mangue en main. On va m'engueuler. Tu penses que ça va aller? Pourquoi tu dis que t'as connu la mangue avec ta tête? Ou qu'elle est dans ta main? Elle a fait une grosse bêtise là. Elle a... Attends, elle doit aller se justifier. Ah, ça a tombé. Tu veux l'amener? Tu veux la manger? Oh non, ah, la manger. Oui, il y en a une, j'ai ramassé aussi. Mais il y a l'avocat ici. Hein. Ça sort bien. Au revoir. C'est reparti. T'étais de ce côté, toi? Donc cette petite visite au village. Ah ouais, très mignon. Donc c'était plutôt mignon. On était à Nuépé. Pour visiter le frère de notre grand-père. Voilà, attends. C'est celui qui m'a nommé Monaco. Et ça perdure plutôt soin le village. Hein. Village de qualité. Là, c'est l'école qui est ici. Un village, à la base c'est un village, mais c'est
transforme en... Dans mon village, il n'y a pas ça, il n'y a pas de... Dans le village, il n'y a pas quoi? Dans mon vrai village, il n'y a pas des lumières, des lampes. Ouais. Des lumières, des lampes. Là, c'est village plus plus. Donc ici, c'est là où il y a le marché. Le jour du marché, il y a des gens apparemment partout. Même sur la route ici, il faut l'actionner vraiment pour circuler. C'est la limite, c'est la fin de la ville de Mouapé là. Donc là c'est fait la frontière. Ok. Déjà la verdure, après les arcs qu'on voit là, c'est au Ghana. Ok. Ben ouais, rappelle-toi quand on arrivait au Ghana, comme il y avait plein de verdure. Ouais, ouais, c'est vrai. Que ça. La réalité, c'est le même pays. Ouais. C'est le même peuple des deux côtés. Ouais. C'était la ville là-bas, ils viennent au champ ici et tout ici. Incroyable. Ça le fait. Qu'est-ce qu'il y a d'histoire ? Parcours du combattant. Votre pote, elle veut rien savoir. On lui dit, on va aller boire de la noix de coco. Elle est tellement fatiguée qu'elle ne veut même pas bouger. Moi, j'y vais. C'est tellement digba que... Et ça suffit avec tes images. Mais... Tu t'en veux? Ouais. Ouais. Donc je dois sortir ou je peux prendre? Mais non, mais c'est si tu veux boire un peu quoi. Je bois un peu. T'as pas fini tout mon truc aussi. Parce que à la base tu voulais juste goûter. C'est encore lourd. Ouais, non, mais c'est pas parce que c'est lourd que ça veut dire que c'est. Non, mais il y en a dedans, je vois, il y en a. Ok. Pas mal. Bon, Emel, elle a failli glisser, malheureusement on n'a pas eu la chute. Mais c'est hardcore ici par contre. Non, mais t'as vu, la voiture, elle était aussi boueuse. Wow. Et puis, tu veux parler, mais moi... Non, mais je crois que t'as pas bien regardé. Ah ouais, t'avais pas bien vu. Je reviens pas là, ce qui m'arrive. Marcher de la boue. La boue, le caca. La boue, le caca. Donc là on est à la place de l'Indépendance et donc je suis allée recharger enfin mon forfait à l'agence qui est juste derrière moi en bleu. Ici on peut pas trop filmer les bails, tu vois. Donc voilà, vous avez capté, petit selfie, tout ça, tout ça. Donc MLK m'a accompagné parce que franchement ça date, on essaye d'avoir du réseau en fait. C'était trop rocambolesque. J'en peux plus. Est-ce que je dois vous parler de mon état de transpiration, s'il vous plaît? S'il vous plaît, please. Mais c'est pas hardcore. J'en peux plus, je suis exténuée, je suis fatiguée. Toutes les mangues qu'on a pu récolter. Je vais prendre ceci. J'ai obligé d'assumer mon koshi digba. Donc là je suis en train de manger une mangue qui est vraiment... Ça fait peur. On dirait qu'on a mis de la saturation tellement elle est... Pourquoi ça fait peur comme ça? Pourquoi ça fait peur comme ça? Comment ça? Genre plein de graines comme ça là.
J'ai encore des pépins là, go, attends. De ouf. Tu vois, plein de graines comme ça là. Je sais pas si je trouve que ça fait peur un peu. On dirait des coccinelles. Ouais, c'est ça. Ta pote, c'est comment, elle arrive quand? Elle arrive à minuit, hein, à l'allure là. Son avion, il devait être à 15 piges, 15 heures. Il n'est jamais arrivé. Elle est jamais partie en fait. Elle est jamais partie surtout. Là c'est bon, elle est enfin dans les airs, mais bon c'était chaud. Mais voilà hein. J'espère que je maigrirai un peu. Hein. Bah si tu manges beaucoup de frites. Ouais. Bah je mange bien quoi, du coup. Partie de faire du sport alors qu'en France j'en faisais pas mal. Ah mais là faut que tu reprennes absolument ouais, le sport. Ouais j'ai fait une fois là depuis que je suis là. Et là je suis trop fatiguée. Il faut reprendre absolument le sport. Bah ouais, pourquoi tu t'es arrêté de faire du sport? Tu m'as dit le premier jour que t'es arrivé. J'avais fait. T'as fait du sport. Là, on vient de marcher sous la chaleur, j'ai trop fatigué. Je vois pas comment je vais pouvoir lever les jambes. De toute façon, regarde, rien qu'en marchant comme ça, en vrai, on l'élimine. Hein. Il manque un peu de sucre, non? C'est comme si c'était pas bien, mais il manque un peu de sucre. C'est bon, hein? Ça, c'est le vrai goût de la mangue. Les mangues devraient avoir tous ce goût-là. Et même la couleur, elle me choque, genre, elle est grave orange. Aller où? Ah, mais malheureusement, il y a plus de... Comme en haut là? Ouais. Non, mais toi, tu fais trop le warrior là. Pour prendre les photos. Ouais, mais c'est la night. Ouais. Quoi, pour vous prendre là-bas là, genre coucher de soleil ou pour me prendre moi la star? Hein? Ah. Ça veut pas répondre. Mais tu vois, quand même, c'est joli au fond là. Alors que tu serais plus grosse. Qu'elle. Oui, moi, je suis plus grosse qu'elle, là. Normalement, elle est plus mince que moi. Mais je vous jure, pourquoi elle serait plus mince que moi? Je comprends pas. Elle, c'est les fesses. Hein. C'est les fesses qui sont ouais. Sorties. Et alors? Sinon, la poitrine. C'est mince, c'est trop. Ouais, mais je suis désolée, elle est quand même plus grosse. Pas désolée. Non, mais parce que vous m'inventez une vie. Soit 10 ans, je pèse plus lourd qu'elle. Personne ne croit. Personne ne me croit quand je dis que je suis plus mince qu'elle. J'ai mouru. Mais c'est possible de comprendre. Mais comment ça a été? Hein? Mince. Mince, genre le terme plus mince. Plus qu'elle. Oh. Tu quoi? Non. Tata. Donc là, maintenant, je vais vous faire une révélation. Mm-hmm. On s'est pesé et j'étais plus mince qu'elle. Oui, mais le poids, Le poids, c'est combien? Elle a dit, on parle pas du poids. On parle de ce qu'on voit. Voilà. Non, non, mais on le voit pas. Elle est... Elle, mais ils sont malades, quoi. Je suis moins grosse qu'elle, si vous préférez. Comme elle, Tata, comme elle. Je ne crois pas. Hey. C'est bizarre, c'est ça. Même Tata, tu doutes. Avant, tu étais plus grosse. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a les fesses. Voilà. Donc elle est plus grosse. Plus grosse. Ouais. Par derrière. Le mec a dans des grandes préparations pour accueillir sa pote au sûr. Jusqu'à changement de nappe, excusez-nous. Qu'est-ce qu'elle va bien manger ta pote? Il y a un plat piège pour elle. Il va pas falloir choisir le mauvais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bon. Tadam. C'est ça. On vous dira si. Pour nous. Vous pouvez venir vivre au Togo si vous êtes vegan. Quoi. Voilà. Si vous avez quand même bien mangé, on vous fera un petit topo. C'est ça. Voilà, pour les vegans. Pour les vegans au Togo. Exactement. Comment survivre? Il y a moyen. Allez. Ça y est, il fait déjà nuit quoi, c'est un truc de fou. Depuis tout à l'heure, il me pose des grosses questions sur ML, elle n'est pas revenue du... Le gars, je lui dis, mais qu'est-ce qui arrive? En fait, il avait faim. Il a la dalle, il peut pas attendre là. Il peut pas attendre le retour de l'ami de ML, c'est quoi ça? Hein? Non, en vrai, ça va aller. Elle va bientôt arriver. Ouais. Ça va le faire? Ton ventre, il va tenir?
ou tu vas t'effondrer. À deux doigts de l'effondrement. Relou. Aïe, aïe, aïe. Ça va. Tu fais quoi? Un sac. Intéressant. Il y a une petite poche devant. Ici dans la ville parce que pendant qu'on est sur lui, on est déjà à Tout Femme Creation. Allô Métogo, pour toutes vos commandes. Allez-y. En lui là. Il a pas pu résister, il a craqué. Il a validé. J'espère qu'ils sont arrivés parce que. On a la dalle. Oh my god! Voilà, là on est prêts. Oh my god! Mais qui est-ce? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? On arrive! Que fait-elle là? Bonne arrivée! Merci! Aïe aïe aïe! Welcome! Petit cousin, il a mis du temps, mais il est long. Ouais, grave doux! Enchanté, David! Putain, vous avez mis du temps! Mais ouais, c'est n'importe quoi! C'est improbable! Apparemment, il y a votre président qui dérangeait l'atterrissage. Ah d'accord! Non mais pour des vrais plus, c'est même pas des blagues, c'est vrai. On faisait des tours sur nous-mêmes comme ça. Pourquoi lui-même il atterrit ça aussi, c'est ça? Oui. Ah ouais. Du coup il pouvait pas atterrir. Voilà, dans l'air. Dans l'air. On ah ouais, des tours comme ça. Punaise. Bon, let's go. Hein. Bon, on va pas manger. Je suis. Louisa. Voilà, tu vas aimer. Ok. Bon bah bon appétit.